sur mon channel, Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire pour la période du 15 au 17 novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite ici à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquez sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance. Je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche. OK? All right. Hi, angels, please give me a reading for my Sagittarius. J'espère que j'ai dit que la lecture, c'est pour les Sagittaires. Hi, angels, please give me a reading for my Sagittarius. Can I please have a reading for the Sagittarius? Sagittarius energy, November 15 to the 17th. Sagittarius energy, November 15 to the 17th. Thank you. Sagittarius energy. November 15 to the 17th. OK. Les Sagittaires. Oui, certaines parties d'entre vous. Je vois ici quelqu'un qui est s'apprête à se réconcilier avec une personne qui est d'une différente origine, nationalité, culture, religion, background que lui, d'accord? On est ici dans une situation où c'est une personne que vous connaissez déjà depuis longtemps. C'est une personne ici qui peut-être à plusieurs reprises a essayé de rentrer en contact avec vous. C'est une personne ici qui peut-être à plusieurs reprises a essayé d'entamer une relation avec vous as well, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui est un peu comme un nouvel amour, mais en même temps un ancien amour. C'est ici quelqu'un pour qui vous avez toujours eu des sentiments, quelqu'un même ici pour qui vous êtes de qui vous êtes réellement amoureux. C'est un peu comme si tous vos amis savent que vous êtes amoureux de cette personne. Tous vos amis savent que voilà, c'est cette personne-là que vous désirez, c'est cette personne-là que vous chérissez, etc. D'accord? J'ai l'impression que c'est ici un amour mutuel. Ce n'est pas seulement un amour que vous ressentez de votre côté, c'est aussi un amour que cette personne ressent de son côté. Et on est ici dans une situation où on a quelqu'un qui s'apprête à faire une demande en mariage à un partenaire. Pour une certaine partie d'entre vous, je vois même ici quelqu'un qui voudrait dévoiler à une personne qu'il a envie d'avoir un enfant avec elle ou avec lui. On a ici beaucoup de passion, beaucoup de confiance qui sont partagées entre deux partenaires. OK? Et pour une certaine partie d'entre vous, je vois même ici quelqu'un qui s'est préservé pour vous. Ah, oh, c'est beau. Le biscuit qui est fermé dans la boîte, cimenté. Tchic-tchic. I love this shoe. So, pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui s'est préservé pour vous. D'accord? On a quelqu'un ici qui s'est préservé pour vous. On a quelqu'un ici qui voudrait vous offrir ici sa virginité. C'est comme ça qu'on dit, non, non. Sa virginité, right? Voilà, quelqu'un ici qui voudra vous offrir sa virginité, même si cette personne-là, même si cette personne-là n'est plus vierge, que cette personne a fait l'abstinence pendant je ne sais pas combien d'années, la personne dans le monde spirituel est redevenue vierge. OK? Donc, c'est un peu comme si vous avez ici affaire à quelqu'un qui s'est préservé rien que pour vous. Vous avez ici une personne qui sait que c'est vous qu'elle aime, c'est avec vous qu'il ou elle voudrait se caser. Et vous aussi, vous savez que vous aimez beaucoup cette personne et que vous voulez être ici avec cette personne. Pour une certaine partie d'entre vous, je vous vois même ici avec une envie de dévoiler à votre partenaire que vous voulez avoir des enfants ou un enfant au moins avec elle. On est ici dans une situation où il y a beaucoup de passion entre
vous et votre partenaire. Vous pouvez essayer de connecter à quelqu'un qui est une danseuse. On a quelqu'un ici qui aime beaucoup danser. On a quelqu'un ici qui est une danseuse. Je vois ici quelqu'un qui est peut-être un ange sur terre, pour ceux qui croient. Moi, j'y crois. Ok, vous pouvez ici être connecté à quelqu'un qui est un ange sur terre. Si cette personne ici est un ange sur terre dans le monde spirituel, d'accord, je vois ici cette personne-là qui a déjà eu ses ailes. Aïe, 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 ça c'est puissant, ça, I like it. On a quelqu'un ici qui a des ailes dans le monde spirituel. C'est-à-dire que si tout le monde avait le troisième œil, je sais pas, le don divin, etc. D'accord? Quand ces gens-là s'approchent de cette personne, ils savent très bien que cette personne est un ange sur terre. Ils savent très bien que cette personne a des ailes. Je vois ici quelqu'un qui a des ailes. Il faut que je cherche sur, il faut que je fasse des recherches sur ce que signifie avoir des ailes here dans le monde humain. Ok? Excusez-moi, moi je suis très spirituelle. So I'm talking. Anyway, on est donc ici dans une situation où vous êtes réellement émerveillé par cette personne. Vous voulez réellement être dans une relation ici avec quelqu'un. Je vois ici quelqu'un qui s'apprête à demander une personne en mariage. On a quelqu'un ici qui adore beaucoup l'odeur de son partenaire. J'aime beaucoup ton odeur. Je veux être avec toi. Il faut qu'on se marie here. Puis c'est un parti dans vous. Je vois ici quelqu'un qui voudrait offrir des roses à une personne. C'est-à-dire que s'il y a longtemps, vous avez vu votre partenaire, il est probable que vous voudriez ici lui offrir des roses. Vous voudriez ici romantiser votre partenaire. Montrer à votre partenaire que vous êtes un homme pour elle. Je vois ici quelqu'un qui est fier de la femme qu'il a choisi d'épouser. Et on a aussi la femme qui est fière d'être avec lui as well. Deux personnes qui s'aiment, deux âmes sœurs, flammes jumelles, here as well. Non, c'est pas flammes jumelles ça. Deux âmes sœurs. On a quelqu'un ici qui a rejeté sa flamme jumelle pour être avec son âme sœur. I love it. I like it. I kiss it. Anyway. Voyons si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Angels, please give me more information. On this reading, please. For my Sagittarius. Reading, please. Thank you. Yep. Ouh. Yep. Oui, c'est un parti. Donc, vous, s'il y avait ici une grande indécision quand il s'agissait de qui est réellement la personne avec qui vous étiez censé vous caser, je vois ici une indécision qui vient de prendre fin. D'accord? On a quelqu'un ici qui a carrément terminé son karma. On a quelqu'un ici qui a carrément fermé le cercle de son karma une bonne fois pour toutes. Je ne suis plus indécis, je ne suis plus indécise. Je sais qui est de moi. Oui, c'est un parti dans vous. Il est probable que vous ayez ici eu recours à une diseuse de bonne aventure. On a une diseuse ici de bonne aventure qui vous avait dévoilé qui est votre partenaire here. Je ne sais pas c'est qui ici qui est une sorcière, mais bon. Yeah, oui, c'est un parti dans vous. Il est probable que vous ayez ici affaire à quelqu'un qui connaît une personne qui a de grands pouvoirs spirituels. Et on a cette personne-là. Ok. Je vois. Ok. So, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable, d'accord, que vous ayez ici eu quelqu'un qui est une grande diseuse de bonne aventure, etc., renommée, connue comme pas possible, qui vous ait dit ici, qui vous avait ici guidé
ou qui avez guidé votre partenaire vers la mauvaise personne, ou bien qui vous avez guidé vous-même vers la mauvaise personne. Donc, c'est un peu comme si vous étiez plutôt indécis quand il s'agissait de la personne avec qui vous aviez envie d'être, parce que vous n'arrêtiez pas d'écouter une autre personne là, je ne sais pas c'est où, mais j'ai l'impression que vous avez rencontré cette personne dans votre région, un peu vers là où vous habitez. On a peut-être une vieille dame qui lit les cartes ou bien une vieille dame ici qui fait quelque chose. Mais je vois ici une sorcière, moi. Et c'est un peu comme si vous faisiez tout ce que cette dame vous disait de faire, parce que pour vous, ce que cette dame disait, c'est la vérité, quelque chose comme ça. Mais je vois ici une situation où vous avez arrêté d'écouter une personne. Vous avez ici arrêté de suivre les conseils de cette personne. Et dès que vous avez arrêté d'écouter ou de suivre les conseils de cette personne, vous avez enfin compris qui est votre âme sœur. Ok, donc voilà les amis, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo pour réserver votre consultation avec moi. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est Verseau, Balance et Gémeaux. Bisous, bye bye.